scientifique. La notation scientifique, elle est importante quand on manipule avec des nombres très larges ou l'inverse, très petits, des nombres très faibles. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser la notation scientifique. Supposons que j'ai mesuré la distance ou bien la longueur d'une table et je trouve, je sais pas, je vais trouver à peu près 2 mètres, 2 mètres de longueur. Là, c'est pas obligatoire d'utiliser la notation scientifique parce que cette valeur n'est ni très grande ni très petite. Ça reste une grandeur simple.